Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous faire gagner 1 million d'XP par minute sur Fortnite. Alors tout d'abord, ce que vous allez devoir faire, c'est lancer votre jeu en mode créatif. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est aller près de la console qui est ici à droite. Et en fait, vous voyez, il faut absolument que ce soit la console à droite de la cabine téléphonique ici. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, dans cette cabine, enfin dans cette console, vous allez noter le code que je vais vous dire. Mais il faut absolument noter le code de cette console-ci en premier et ensuite celle de cette console-ci en deuxième. Il ne faut pas faire l'inversement, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous allez sur la console de gauche qui est juste là et vous allez taper le code qui est 7 8 8 2 5 8 9 5 5 2 3 9. Ensuite, vous mettez un point d'interrogation. Vous mettez V égale dans les caractères spéciaux égale 24. Donc là, vous retournez sur les chiffres et vous mettez 24. Ensuite, vous acceptez et vous mettez charger la partie. Voilà. De toute façon, les codes, je vous les mettrai en description, en commentaire épinglé. Ensuite, sur la deuxième console, vous allez noter le code qui est le 5 3 7 8 6 2 3 9 1 4 0 5. Ok, merde, 5, voilà, ok. Donc vous acceptez. Et là, regardez ici à gauche. Normalement, ce sera marqué juste Drive. Et ici à droite, ce sera marqué île de bataille royale de The Dark Viper ou je sais plus quoi. Donc voilà. Donc là, vous attendez que les deux maps se chargent. Alors, je tiens à préciser que je ne sais pas si moi je vais gagner les 1 million d'XP parce qu'en fait, ça dépend les comptes. Il y en a où ils vont gagner 1 million d'XP en une minute, il y en a ils vont gagner moins, il y en a qui vont gagner peut-être même plus, mais c'est un peu aléatoire. En tous les cas, moi j'utilise un nouveau compte, voilà, qui est niveau 5, vous pouvez le voir en bas à gauche, et on va voir si je débloque les 1 million d'XP. Si je ne débloque pas les 1 million d'XP, ben, c'est que j'ai pas de chance, mais de toute façon je vous montrerai, si vraiment je débloque pas les 1 million d'XP, je vous montrerai que quelqu'un l'a fait, a fait le même glitch que moi, et a débloqué les 1 million d'XP, donc je vous montrerai dans la vidéo si j'y arrive pas à débloquer les 1 million d'XP. Enfin bref, c'était pour vous prévenir que ça peut ne pas marcher, mais on va voir. Normalement ça devrait marcher, hein. Si ça marche pas, ben, c'est que j'ai vraiment pas de chance et que je comprends pas trop la logique de système d'XP comme ceci. Enfin bref, donc là ce que vous faites, c'est que vous rentrez dans l'île de gauche, pas l'île de droite. Voilà, donc là vous attendez que ça charge. Donc là on joue sur une ancienne version de l'île, nous jouons sur la version 24. Donc ce que vous allez faire déjà, première chose, c'est de prendre votre véhicule ici. Vous allez aller par ici et vous allez aller sauter dans les trampolines qui sont juste là, donc les matelas. Et on va débloquer 1000 pièces d'or. Donc on va juste débloquer 1000 pièces d'or, ok? Donc là, j'ai 100 pièces d'or. Voilà, là j'ai 1000 pièces d'or, ok? Déjà 21 XP. La personne que j'avais vue, je crois qu'elle gagnait du 200 XP par seconde. Donc là, moi, je suis à 21 XP, donc c'est pas ouf. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer une solution. C'est de prendre une Wish Splash, enfin une clé Wish Splash. Voilà. Ah, c'est 600. Ok, donc je vais en acheter deux. Hop, j'en achète deux. Voilà, maintenant que j'ai une clé Wish Splash, je peux prendre une voiture Wish Splash. Sinon, je peux pas la prendre. Enfin, je peux pas rouler avec. Voilà. Comme j'ai une clé Wish Splash, ben, je peux la prendre. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous allez près des matelas. Et là, ben, vous allez dans les matelas. Regardez, boum. Là, je gagne 115 XP. Alors, ce qui est bien avec ces matelas aussi, c'est que sur console, eh ben, on gagne... on ne crache pas, en fait. Sur console PS4 et PS5, on crache moins. C'est possible que je crache, mais je crache beaucoup moins que sur les autres matelas. Donc, c'est déjà une meilleure alternative que l'autre glitch que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, par contre, moi, je gagne pas autant d'XP que l'autre personne. Et en plus, mes XP diminuent. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué hier aussi. C'est que les XP diminuent. Au fur et à mesure que vous allez faire ce glitch,
les XP vont diminuer. Donc là, moi, j'ai pas eu de chance parce que j'arriverai sûrement pas au 1 million en une minute. Je vais le laisser. Hein. Donc là, je suis à combien de minutes là? Je suis peut-être à 20 secondes. Donc je vais laisser. On va voir combien d'XP je vais prendre. Là, je suis à 40 secondes. À 40 secondes, 100 000 XP. Ouais. On est 10 fois moins. 10 fois, on gagne moins, 10 fois moins d'XP que la personne que je vais vous montrer. Là, je vous montre dans la vidéo. Là, je vous montre carrément une personne qui a fait le glitch et qui est montée jusqu'à 1 million d'XP. Vous pouvez le voir dans la vidéo. Franchement, c'est hallucinant. Attendez. Hein. Il gagne du 108 XP par seconde. Non, au début, il commence avec du 300. Non, du 600 XP. Attendez. Au début, quand il saute, voilà, là, quand il saute, il gagne du 11 000, 8 000, 7 000, 6 000 XP par seconde. Ensuite, il gagne du 1000 XP par seconde. Enfin, c'est même plus par seconde, en fait. Hein. C'est blindé parce que, regardez, il monte à 400 000, 500 000. Donc lui, en une minute, il se fait les 1 million easy, quoi. Et moi, je sais pas pourquoi. Peut-être que si vous avez une solution, mais moi, je sais pas pourquoi je gagne beaucoup moins d'XP que lui. Peut-être que chez vous, ça va fonctionner. Hein. Peut-être que chez vous, vous allez gagner 1 million d'XP en une minute. Mais moi, je sais pas pourquoi je gagne beaucoup moins. Donc lui, il a réussi à aller à 1 million d'XP. Moi, regardez, là, je suis à 145 XP et là, ça fait, je sais pas moi, 2 minutes quoi. Enfin, ça fait peut-être 1 minute 30, 2 minutes quoi. Donc, c'est juste hallucinant. Après, en tous les cas, moi, je suis sur console et vous voyez bien que je ne bug pas. Hein. Je suis en train de le faire. Donc, franchement, en fait, vous allez là et vous faites de l'XP sans rien faire. Vous rentrez entre les deux matelas. Mais voilà, vous laissez tourner. En plus, si vous êtes sur PC et Xbox, même Nintendo Switch, il n'y a aucun bug. Il n'y a pas d'erreur d'application. Par contre, ceux qui sont sur PlayStation, bah, il y a des erreurs d'application. Alors là, je suis tout seul. J'ai pas d'erreur d'application. Mais par contre, quand je suis à plusieurs, j'ai eu des erreurs d'application en moins de temps que ça. Donc là, ça fait quand même deux minutes, voire un peu plus de 2 minutes que je suis dans les deux matelas. Et j'ai eu aucune erreur d'application. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc là, je viens de crash, mais il a fallu du temps quand même. Hein. Et vous avez vu, il était marqué que j'étais passé niveau 8 ou 9. Normalement, c'est possible que je sois plus. Donc, je vais relancer le jeu. Normalement, c'est possible que je sois plus. Hein. J'ai commencé, j'étais niveau 5. Là, il m'a affiché que j'étais niveau 8 ou 9. Mais mon pote, quand il a relancé, genre, il était à 132. Et on lui affichait qu'il avait gagné genre 133. Voilà, il était à 133. Et quand il a relancé son jeu, quand il a quitté le jeu, il était à 135, 136. Donc, en fait, tellement que les XP vont vite, eh ben, le niveau ne suit pas. Et c'est peut-être pour ça que sur Play, ben, en fait, ça fait bugger et ça fait crash notre jeu. Parce qu'en fait, le jeu ne comprend pas qu'on gagne autant d'XP et que ça monte aussi vite. Et en fait, ça ne suit pas. En fait. Le jeu ne suit pas. Donc là, on va voir combien j'ai d'XP. Combien je suis niveau combien. Je suis niveau 5, mais je pense qu'il faut attendre que ça s'actualise. On va attendre un peu que ça s'actualise. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire le mode de jeu. Hop, je vais y retourner. Ok, voilà. Donc là, j'ai les récompenses. Ok, je suis bien niveau 8. J'ai bien gagné 3 niveaux. On va réessayer. On va relancer le truc. Putain, il est bizarre mon personnage. Je savais pas que le skin Bambi... Ça, c'est le skin de base, non? Je savais pas que le skin Bambi, il avait cette tête-là, wesh. Je me souviens pas. Je crois qu'il avait une tête... ouais, je sais pas. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va refaire le glitch, mais là cette fois-ci on va noter le code qui est, c'est le même code hein. C'est le code 788. Voilà, on va mettre 24, sauf que là on va pas mettre 24, on va mettre 25, la version 25, pour voir si ça fonctionne peut-être mieux, je ne sais pas. On va mettre le point d'interrogation, hop, on accepte. Ici on va mettre le code que je vous ai dit tout à l'heure. Donc attendez, il faut que je l'avais noté. Ok, c'est bon, celle-là. Donc le code c'est 5, 3. Ouais, c'est ça, hop. On accepte. On attend que ça charge. On attend que les deux îles chargent. Voilà, c'est bon. Donc là, je rentre. Ok, parfait. Ensuite, je prends un petit véhicule.
Je vais dans les matelas, on va voir si je gagne plus d'XP, mais c'est pas sûr, hein. Donc là, tout à l'heure, avant que ça crache, je pense que j'étais diminué à 24 XP. Voilà, je suis carrément diminué à 2 XP, quoi. Donc là, ça craint. Après, c'est quand même des XP sans rien faire. Donc bien évidemment, sur Play, vous allez crasher, donc ça, ça craint. Mais bon, ceux qui sont sur PC et Xbox, ben vous, c'est vraiment sans rien faire, hein. Vous avez juste à aller dans le truc et vous laisser tourner ça toute la nuit. Quand vous vous réveillez, ben vous êtes niveau blindé, hein. Donc là, on va acheter une clé. On va prendre une splash. Et on va voir. Normalement, quand je fais ça, ça double les XP. Mais ça le double qu'une seule fois. Et comme je l'ai fait en début de vidéo, je ne sais pas si ça va doubler mes XP ici. Voire parfois, ça triple les XP. Ouais, donc là, je suis à 5 XP. Donc ça a fait 2. Ça a fait fois 2,5. Mais bon, voilà. N'hésitez pas à prendre une petite clé. À prendre une splash pour essayer de gagner encore plus d'XP. En tous les cas, moi, j'ai pas eu de la chance d'avoir le... Ah, regardez, je suis monté à 6 XP là. Mais voilà, c'est pas optimal parce que vous avez vu, hein, dans la vidéo du mec que je vous ai montré, lui il gagnait genre 1000 XP directement d'entrée et il était niveau 400 et des quoi, hein. Donc moi j'ai vraiment pas eu de chance, je sais pas pourquoi. Si vous avez une explication, une solution contre ça et gagner, pour gagner encore plus d'XP, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo, bah, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapil Mec et ciao. Peace.